Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom, toujours dans les Robocraft Days, c'est-à-dire les Robocraft, les jours où j'aurais mis que du Robocraft parce que ma tour est toujours en réparation, je n'ai pas plus d'informations depuis le 11, donc c'est une catastrophe pour moi. Actuellement nous sommes le 15, ça fait 4 jours, enfin le week-end est passé, je crois qu'on est le 15, je vérifie quand même, mais on est le 15, c'est ça? Nous sommes le 15, 4 jours sont passés, je n'ai pas la moindre information depuis qu'elle est arrivée. Mais lors du dernier épisode, je vous ai quitté en construisant un nouveau robot. À vrai dire, je voulais pas le construire comme ça, mais je voulais regarder en fait si c'était possible. Au final, je me suis pris au jeu, littéralement. Ce robot est particulier parce qu'il a plusieurs... donc vous voyez déjà, il nous manque une pièce, il manque deux pièces. Donc alors, je sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi. J'ai un trou. Les électroshields, voilà, à l'arrière. Donc, vous voyez, tout est prêt, sauf les électroshields à l'arrière, là, qui viendront en fait faire le même motif ici. Il y a un système donc de, comme vous pouvez le voir, de bouclier à l'avant sur chaque roue, qu'elle soit à l'avant ou à l'arrière, avec un canon, enfin de chaque côté, donc du véhicule, en SMG pour le moment. Si ce n'est pas efficace, on passera là aussi comme le méga en plasma. Ce canon est tenu via deux cercles, c'est-à-dire qu'en fait on peut pas mettre une ligne droite ici. Du coup j'étais obligé d'aller rattraper un cercle derrière, hop, voilà, ce qui fait venir jusqu'ici. Voilà comment ça s'est... ça s'est goupillé, chers amis, si je puis dire. Donc voilà, j'ai dit qu'on allait potentiellement utiliser des plasmas. Je voulais voir justement le prix de ces plasmas. Du plus haut niveau de plasma, le prix est à 1,5 million pièces. D'accord. Il m'en faudrait 3, ça me fait à peu près 1,5 million. Plus environ... Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Ça fait 2,5 millions. Il faut qu'on réussisse à choper 2,5 millions crédits pour pouvoir finaliser ce vaisseau, mais il n'empêche qu'on va quand même partir avec, enfin finaliser. Il faudrait trouver 1 million pour le finaliser, 2,5 millions au total pour le finaliser et le mettre en full plasma. Voilà, on va l'appeler comme ça. Enfin, on va dire ça comme ça. On va l'appeler comment, moi? Alligator. Alors, hop, Alligator, voilà. Et on va partir en Battle Arena avec lui, hop. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé un épisode avec lui hier soir, mais l'équipe, enfin depuis, vous avez remarqué les épisodes que j'ai tourné normalement hier, donc pour vous, les derniers épisodes, les équipes étaient moisies, c'est-à-dire qu'elles ne faisaient aucun objectif et que du kill, vous vous rappelez peut-être de ça. Et ben là c'était encore pire, mais j'ai vraiment pété une durite dans cet épisode, hein. J'ai insulté des gens, j'ai véritablement pété une durite. Il y avait, au bout de 5 minutes, il y avait encore 2 tours qui étaient violettes. Qu'est-ce que je dois comprendre à ça? Enfin bon. Maintenant, c'est terminé. Pour ce qui est, vous me demandez, chers amis, de faire des robots à l'heure actuelle. Très demandeur de robots, donc je suis content parce que ça veut dire que les épisodes de construction vous plaisent. Cependant, vu que je vous ai fait la demande vis-à-vis d'un compte presse, bah écoutez, je vais attendre que vous ayez répondu et avoir de vos nouvelles et peut-être de celles de FreeJam pour tout simplement continuer à faire ces robots parce qu'après tout. Les robots particuliers que vous me demandez nécessitent des pièces que je n'ai pas ou que je n'ai plus, qui sont déjà utilisées sur certains d'autres robots. Du coup, j'ai pas, en n'ayant pas finalisé certains robots comme celui-ci par exemple, je n'ai pas de quoi véritablement m'offrir ces robots. Hop. Plus de canon. Comme vous voyez, je trouve que le méga plasma est extrêmement fragile, hein, soyons honnêtes. Tu veux bien me heal? Ah non, c'est un putain de bourrin. Casse-toi, sac à merde. Ça me saoule, ça. C'est pas la première fois. Alors, pour vous dire, même dans l'épisode justement, l'épisode de la mort entre guillemets, si je peux l'appeler comme ça, il y a un mec qui s'amusait. Alors, j'étais avec un véhicule de genre là, mais c'était vraiment la version rudimentaire de celui-ci, qui s'amusait à me rentrer dedans parce que ça me faisait faire des loopings à l'arrière. Alors on a vu celui qui m'empêchait de tomber, de me remettre au sol. Et maintenant on a celui qui m'empêchait de rouler correctement. Ah, marche arrière. Ah, dommage. Vas-y, avance, y'a personne. Enfin, ils sont touchés, il y en a qui sont touchés.
Ah, celui-là il est pas touché. Hein. Ok. Ah, c'est pas con ça sur le principe. Par contre, que des blocs en vert, je comprends pas pourquoi. Shine right like a diamond. Bref. Allons-y. Hop. Ça a touché. Aïe. Hop. On y va. Donc oui, c'est un épisode vraiment où j'ai vraiment, mais alors pété une durite, hein, j'ai ragé. Hein. Franchement, chers amis, j'ai vraiment ragé. Une véritable catastrophe. Aïe. Vous voyez, alors ça, c'est pas normal. Qu'une arme méga puisse être détruite en un seul tir, c'est pas normal. Aide-moi ! Abruti ! Pourquoi tu fuis ? Qu'une arme méga puisse être détruite en un seul tir, c'est... Enfin, en une seule rafale, c'est absolument pas normal. Soyons d'accord. Je veux dire, vu le prix qu'elle coûte, elle doit être un minimum blindée. Surtout si elle faisait des... Surtout si elle est censée faire des dégâts et qu'elle en fait... moyennement, on va dire, parce qu'il faut dire qu'elle est pas extrêmement puissante. Faut vraiment que je la couple avec d'autres. Alors, du verbe coupler, pas accoupler. Hein. Hop, voilà, il y avait de ça aussi. Il y avait aussi un peu de ça. Hop les. On y va. Hop. Ah dommage, je voulais tirer sur ces canons. Mais ces canons à lui sont plus résistants que ma méga SMG. Que ma méga, pardon, mon plasma. C'est ça qui est dingue, c'est vraiment ça qui est dingue. Wow. Là, toi, non, je me mets bien à l'abri histoire de pouvoir continuer à tirer dessus. Hop, aïe, je me fais des choses que je ne peux pas dire en public. Hop, merci l'ami pour le heal. Maintenant faut qu'on rush récupérer des points. Attention, on me rentre pas dedans. Pourquoi j'arrive plus à tourner? Ah, parce que je suis en propulsion sur deux. Ah, donc erreur de ma part, je mets toujours des boosters de vitesse dessus, enfin de quoi booster la vitesse, et ça rend le véhicule complètement incroyablement glissant en fait, vous voyez. Donc je vais les enlever. La vitesse à l'heure actuelle, c'est pas véritablement ce dont on a besoin. Hop. Hop. Non, casse-toi. Et voyez, il tourne plus du tout. Pensez à enlever les boosters en fin de partie. Allez, tourne. Je suis en train de tourner complètement à droite, là, chers amis. Je sais pas si ça se voit au niveau des roues. Hop. Dommage. En fait, j'ai pas vu que j'avais plus de canon. Je devrais vérifier en bas mon interface. Il affiche quand le canon est détruit. En tout cas, on leur a bien foutu les boules, hein. Normalement. Hop. Donc, pensez à enlever les boosters. Et peut-être que ces boosters, on pourra les remplacer plus tard.
Vous verrez par quoi? Par un blink en fait. Je pense à un blink depuis le début. Ah la vache! Qu'est-ce qui me tire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me tire dessus là? Ok. Hop, allez, on passe au canon. Bon, c'est quand même assez efficace. Une fois qu'on a grimpé les niveaux, c'est assez efficace. Faut pas le nier. Voilà. Your enemy's fusion shield has been deactivated. Your top fusion tower is under attack. On va essayer de gérer le mouvement. Allez, meurs. Hop. Ouais, bon, on va passer sur des canons plasma, clairement. Canon plasma, ça va augmenter le DPS de notre tourelle en plus, enfin de notre méga, et ça va être clairement le bienvenu. Mais c'est pas grave. C'est un point comme ça qu'il fallait connaître. C'est pas con ça. C'est pas con du tout ça. Ok, on y retourne. J'ai curieux de savoir combien qu'il a en vitesse de pointe. C'est con parce qu'en fait c'est sur ça que je m'étais basé moi, c'était sur la vitesse de pointe du robot. Et vous voyez là je glisse plus bizarrement, je peux tourner comme il faut, enfin plus ou moins comme il faut, sans avoir de problème de glisse entre guillemets. Your top fusion tower is under attack. Spotted. Non. Spotted. Est-ce que de là je peux toucher? Your top fusion tower is under attack. Alors. The top fusion tower has been captured. Dommage. Je crois que j'ai été repéré. Ah, là j'ai plus assez de roues. Spotted. Ah, et puis elle est vraiment. Vraiment fragile. Hein. Vraiment, 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 vraiment fragile. Hein. Je sais pas si c'est le fait d'avoir des roues qui sont. Qui ont très peu de points de vie, mais. La vache. Incroyable. Alors. Ok, nous voilà repartis dans la course. Wow, 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 wow. Ok. 1. Donc on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a commencé à régénérer. T'es pas sérieux là? T'es pas sérieux, il lui reste... Mais comment il peut avoir autant de points de vie? Avec des armes? Vache. Regardez ça! Comment il peut lui rester autant de points de vie avec autant d'armes? Aussi peu de points de vie avec autant d'armes en fait, c'est ça le principe. Que je comprends pas. Bon c'est pas grave, on va rusher sur leur truc. Leur point de spawn. Bon là par contre on va se faire wipe et c'est pas bon ça. Faut aller récupérer la tour. Je vais lui frôler les moustaches à la tour. Ceux qui voient la référence, je vous aime. Ceux qui la voient pas, je vous aime pas. Non je rigole. Faut que je pense à parler de cette référence à la fin de l'épisode. Hop. Hop. Spotted.
Hop. La touche, ça. Parfait. Hop. Hop. Voilà. On va aller leur dire bonjour. Merde. Je crois que j'ai été grillé. Hop les. Ça c'est fait. Ça c'est fait, chers amis. Bon, je m'attendais pas à une victoire comme ça. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Je suis sur le cul. Je suis tellement sur le cul. Bon, en voilà une bonne nouvelle. En voilà une de bonne nouvelle. Eh ben, il est efficace ce robot. On se fait combien? 1 million? Eh ben, écoutez, je crois qu'on a de quoi. On a de quoi le modifier un petit peu. On va pouvoir, par exemple, aller acheter dans les hardware. Ah oui, c'est vrai, j'en avais acheté une. Exact. Ok, bah cool. Cool, ça veut dire qu'il nous reste 1 million. On peut donc se payer 2 canons, normalement, à peu près. À vue de nez. Ah, je m'en doutais. Il va me manquer rien. Vous allez voir. Il me manque donc, je précise, à peu près... Oh, 130 000 quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Ok. Ça passe. Et bah c'est plutôt parfait ça. À un détail près peut-être. Hop. Et est-ce qu'on peut par exemple... Ah, j'ai plus assez de CPU. Hop. Eh bien écoutez, on va commencer déjà par mettre un canon supplémentaire. Ce qui me permet de réduire. Ah bon? Ah bon? Bon, bah écoutez, je suis sur le cul. Apparemment, les canons prennent plus de flops que les SMG. Alors là, on a combien? On a 26 flops. Là, on a 30 flops, effectivement. C'est incroyable. Eh bien écoutez, sur un principe de. De comment d'égalité, on va le mettre. Hein. L'avantage c'est que. Hop. Bah non. Ah, ça va pas avec le méga en plus. Oh, ça va pas avec le méga. Ah, je pensais que le méga tirerait beaucoup plus. Enfin, tirerait plus souvent, qu'il ferait partie de l'équipe, littéralement. Ah la vache. Ça c'était pas prévu. Ça c'était clairement pas prévu. Ah bon. Là autre chose. Ah. Réflexionnons, chers amis. Réflexionnons. Compte tenu du fait que cela consomme beaucoup plus qu'une SMG, je vais rester sur le principe du canon. On va dire ça comme ça. Il aurait fallu aussi que je puisse, hop, par exemple, si je voulais, hop, hop, hop. Est-ce que j'aurais pu mettre un canon ici et pourquoi pas? Parce que j'ai un cube ici. Il faudra que je mette ce genre de canon par contre. On va aller voir un truc. Hop, est-ce que je peux revendre tout ça pour me payer au moins un canon? Ouais, ça m'en paye peut-être deux, attendez, je vais aller voir. On va aller voir. Ça m'en paye deux. Cool. Cool, cool, cool. Parce que au final... Au final, on s'en sortira mieux avec ça.
qu'avec le reste. Je vais juste modifier ce cube là. Hop, au passage. Je vais en mettre un comme ça. Ça rend beaucoup plus joli. Je vais le repeindre dans la bonne couleur, si c'est possible. Merci. Et là, je pense que je vais faire pareil. Sur un principe de forme, en fait. Si je puis dire ça comme ça. Ok. Nous avons donc 11 flops disponibles à l'heure actuelle. Plus, enfin, en comptant la position des flops, des objets cosmétiques. Fait un total de 11 flops. Ça, ce sera améliorable aussi. On verra ça au niveau du style. Ok, ça fait 11 flops disponibles avec deux gros boosters à l'intérieur. Le blink, il coûte combien? Enfin, il fait combien de flops? 285 flops. Ok, ça fait mal au cul. Pour un total de, j'imagine, un total de 10 millions, 11 millions. Ah, peut-être un peu moins maintenant. 9 millions, d'accord. Alors, 300 flops, faut compter, hein. Faut compter 300 flops. À vue de nez, ça pèse combien, ça, en flop? 18 flops. Ok. Ça met dans l'ambiance. Donc, c'est le gros canon, j'imagine, qui pèse très très lourd. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Eh bien écoutez, ce robot il est fonctionnel. On a encore un petit peu de temps pour partir dans une autre game. Donc je pense qu'on va le faire. Écoutez, chers amis, on va partir avec celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, moi personnellement. Ouais, tiens, on va partir avec celui-ci. Et on va partir encore une fois en Battle Arena. Chers amis, on va aller voir ce qu'on peut faire. Si on peut pas couvrir un point, par exemple, avec ce robot. Et se refaire à peu près 1 million. 1 million 5. Alors je suis assez vexé en fait que les méga. Enfin, que les méga. Et j'avais complètement zappé en fait que le principe du méga et. Du simple était maintenant deux armes complètement différentes. C'est presque vexant, à vrai dire. Puisque c'est un changement de. C'est un choix différent, en fait, littéralement, de la part des développeurs de Free Jam. Et je m'attendais, en fait, à pouvoir rajouter des canons, des petits canons pour faire bloum bloum, quoi. Broum. Mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Écoutez, c'est la vie, hein. C'est la vie. Je fais une ellipse parce qu'apparemment on trouve pas de partie. A tout de suite. Voilà, re, chers amis. Alors je prends un petit peu plus de temps pour vous montrer un petit peu les robots qu'on a dans le coin. Hein. Je les ai pas vus non plus, remarque. Hop. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est que si on souhaite, chers amis. Oula, bah, où tu vas, toi? Merci. Hop. Si vous souhaitez que j'ai un compte presse et que je finis par en avoir un via FreeJam, la chose est sûre, c'est que on aura la capacité de faire des robots joli, très très performant, et surtout de finaliser notre méga. Hop, ce qui serait. Une très très bonne chose. Toujours le sniper qui vient là. Qu'est-ce que... Mais bien sûr. On va se mettre à couvert un petit peu le temps de régène parce que purée, il nous a mis cher. Un petit peu attiré sur le terrain, à vrai dire. On monte vachement haut quand même, hein, soyons honnêtes. Hein. Ok, on va se barrer, on n'a pas réussi à couvrir l'endroit du tout. Je reçois des textos, c'est cool. Ok.
Merde. Hop. Je suis en train de penser à ça. C'est vrai que l'arme est beaucoup plus tanky, mais alors énormément plus tanky que la méga plasma, c'est incroyable. C'est assez incroyable. Non, honnêtement, vous avez vu à quel point elle résiste. Enfin, je sais pas, y a un problème quoi. La méga plasma résiste pas à 3 ou 4 tirs. Résiste pas à un tir, pardon, une salve de. Oh, les unijambistes. Je déteste cette saloperie. Oh le lag. Quoi? Ah oui, rassure-moi, je t'ai bien apporté quand même, merde. Hop. Allez, feu. Donc là on est complètement submergé de chaque côté. Arrête. Allez, vas-y, sauve ta peau. Sauve ta peau, amigo. Sauve ta peau. Quoi? Ça a pas touché, ça? J'arrive les mecs. Hop, c'est la baston. Hein. Allez. Oh non. Merde, ça pue ça. Fuite. Fuite. Non, raté. Raté, raté. Your bottom fusion tower is under attack. Your top fusion tower is under attack. Spotted. Spotted. Top fusion tower is under attack. Your bottom fusion tower is under attack. Hop. Excusez-moi. Your top fusion tower is under attack. On y retourne. Où est-ce qu'ils sont? Your top fusion tower is under attack. Aïe. Mais non, il y a aucune raison de surrender. Ok. What? À travers un mur, carrément. Your bottom fusion tower is under
ce que c'est, je me dis que ça devrait pas voler non plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tiens, on essayera autre chose comme construction. Ensuite, si jamais on a le compte prêt, je sais ce que je vais faire aussi pour ce genre de choses. Parce que sinon, ça sert à rien que je prenne trop d'avance sur ce que je veux faire. Oh, mais c'est mort, les mecs, cherchez pas. Hein. Oh. Ils sont partout. Les dégâts de cette arme sont trop faibles. Aïe. Aïe. Allez, vol. Voilà. En douceur. Avec le plus de discrétion possible. On commence à avoir des morts, ce serait peut-être pas mal. Pas sérieux là, ça va pas toucher de là. Hop. Oh, voyez, ça c'est chiant. Ça c'est vraiment chiant. Qu'une arme puisse être détruite aussi facilement, c'est vraiment, vraiment, vraiment saoulant. Une arme de, enfin, une arme aussi chère. Je vais le dire, c'est vraiment le prix qui me fait chier. Vu le prix qu'on la paye, elle devrait être beaucoup plus efficace. Enfin, beaucoup plus, pas efficace, mais forcément beaucoup plus résistant. Surtout qu'en plus, vu le CPU load qu'elle prend, vu les flops qu'elle prend, on peut pas en mettre beaucoup, je veux dire. Vous voyez sur le principe, sur la qualité qu'elle est, enfin, elle devrait être capable de résister beaucoup mieux, vu qu'elle est beaucoup plus imposante physiquement. Et enfin bon, c'est mon avis. Je sais qu'il compte pas énormément pour les développeurs de Robocraft. Hop. Clock cycle booster activated. Spotted. Allez, vas-y. Et bourrelet, bon Dieu. J'ai plus d'énergie. Hein. Oh la gueule. Oh la gueule! Cette physique! Best physique ever! Mais vas-y, t'as de la santé! J'en ai plus des masses là, mais. Ok. Allez-y. Merde, un truc de touche. Aïe. Aïe. Non. Hop, surtout pas. Je préfère sacrifier 10 secondes de mon temps plutôt que de passer dans la ligne de feu en fait. Merde, ça pue. Allez. Il y a une chaussure de sport ce truc là. Your top fusion tower is under.
Rester au sol. Ah merde! Hé, on a un mec là! Ok. Wow, c'est mort. Trop nombreux. Hop. C'est mort. Ah, peut-être que je peux me propulser, mais non, il marche dessus, littéralement. Je trouve ça insultant. Honnêtement, je trouve ça insultant. Enfin bon, c'est comme ça. On sait tous que la communauté de Robocraft est très particulière. Robocraft, pardon. Hop. Hop. Your enemy's fusion shield has been reactivated. Your bottom fusion tower has been captured. Spotted. Ah putain, on le voit pas sur la roche, hein. Hop. Spotted. Merci. Oh, je déteste ceux qui font ça. Honnêtement, je déteste ça. Ok. Allez-y, les mecs. En espérant que nos potes puissent. Avance, parce que je suis hors de portée, moi, sinon. Ok. Ok, ça se passe plutôt mal. On a perdu un point en fait, ce qui est catastrophique. Allez, meurs! Ah! C'est saoulant. Cette arme est complètement inefficace en dehors de. Et encore, elle est pas hyper méga efficace sur les types vols. Enfin, sur les volants. Je dis les types vols parce que je joue à Pokémon. C'est juste ça. Ouais. Allez, prenez la tour. Allez, là. Voilà, joli. Hop, on y retourne. Quelqu'un qui a besoin de nous là-bas. Your middle fusion tower has been captured. You no longer have your clock cycle booster. Hop. Spotted. Tac. Spotted. Mais. Oh putain de snipe! Ah, il me saoule. Honnêtement, il me saoule. Il joue bien son rôle. Il me saoule. Faudrait que je vois sur ce genre de choses. C'est pas mal comme robot. C'est un double type de déplacement. Ça permet plus de mobilité. Il a un déplacement de. Enfin voilà, il a un système de déplacement et un système de stationnement, on va dire. Littéralement. De stabilité. Ok. J'essaie de m'assurer de prendre au plus large. Il faut aussi que je reste le plus bas possible. Putain, allez! Quoi? Ah putain, il me saoule avec son truc lui. Ah, il me saoule, honnêtement il me saoule. Soyons honnêtes, il me saoule, chers amis. C'est pas con hein, mais il me saoule.
sachant pertinemment que les gens vont se planquer s'ils se font viser comme ça. Ça permet de passer au snipe et de viser plus précisément. C'est pas con, c'est vraiment pas con. Putain. Et ça me tue de le dire. Allez mec, allez-y. Non, vise-le. Ouais, voilà, si c'est pas con. Allez, feu. Allez mec. Prenez l'avant. Voilà, c'est bien. Eh ben c'est une victoire. Waouh. Clap, clap, clap. Voilà. Bravo. Bravo, bravo. Joli, vraiment très joli. Bah GG les mecs, parce que c'est pas moi qui ai fait le plus de dégâts. Je le reconnais. Je le reconnais facilement d'ailleurs. GG. 1 demi-million, bon c'est pas complètement épique, mais bon, c'est toujours ça de prix. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom de votre lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop. Et yop.